Isayori, rejoins le culte du Booyah! Merci à toi, Isayori. Merci beaucoup, car tu le mérites. Et bah écoute, merci énormément à toi. Ça me fait super plaisir. Bien le bonsoir à vous. Mais comment mieux commencer un live comme ça, quoi? Voilà, encore une fois, merci, Isayori. Bien le bonsoir à tous. Bien le bonsoir, Rito. Bien le bonsoir, Will. Salut, Highstar. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà. Arito ! Rejoins également le culte du Booyah ! Mon dieu ! Merci énormément, Arito. Oh là là là, hey, mais... Sabipe ! Que cette emote soit avec toi. Tout à fait, Isayori, tout à fait. Complètement, quoi. Oh là là. Réunissons-nous ce soir pour communier ensemble afin de soutenir le champion du Saint Booyah dans sa croisade. Voilà. Vous avez le droit d'utiliser les emotes quand vous rejoignez... Oh là là, oh non, c'est magnifique. Salut Angelus. Et oui, quand vous vous abonnez à la chaîne Twitch, vous avez le droit d'utiliser des emotes, c'est magnifique. Elles sont superbes ces emotes. Oh là là. Oh damn. Ça c'est beau. Ça c'est beau. So. Prions ensemble mes frères et mes sœurs. Oh non mais le live a à peine commencé, déjà deux nouveaux subs. Merci énormément Arito et... Oh putain Isayori. Merci beaucoup à vous deux. Levons-nous. Oh putain. Salut Water Tiger. Manque une emote caramel à 25 balles. Une emote caramel quoi. Tu sais, un vieux pot de caramel. Aïe aïe. Je ne sais même plus où est-ce qu'on en était resté. Bon dieu. Salut Domi. Je ne sais plus. On avait fait. D'accord. Grand Maître Sullivan. Donc on n'a pas fait Aldrich. On est allé vite fait dans le premier DLC, mais juste voilà, on y est allé, on a activé le feu, puis on est parti. On n'a pas fait le vieux roi démoniaque. Évidemment, on n'a pas fait Aldrich. On n'a pas fait Yorm. Damn. Oh damn. Ok. Bah si, je l'ai mis modo Arito, mais il y a plusieurs Arito 09 alors. J'ai mis le mauvais Arito 09 dans ce cas. Oui, parce qu'il y a des nouveaux modérateurs. Donc je fais ça pendant un temps de chargement. Où est-ce qu'on va aller en premier lieu? Je pense qu'on va faire le boss des ruines démoniaques. Ça peut être sympa. Sympa. Alors, le temps que je tape des trucs sur mon bobo clavier. Voilà. Bah, y avait un Arito 09 sans le underscore et un avec le underscore. J'ai pas pris le bon. Voilà. Sympa. Salut Akared. Ok. Little Box, salut, je t'avais pas vu. Ça va? Salut Lenzo. Waldito, salut. Et donc le live a à peine commencé, déjà deux nouveaux subs. Ils peuvent carrément spammer les nouvelles emotes. Moi, pendant ce temps, tenter de vaincre ce truc. Ça va. Damn, ma barre de vie! Ma putain de barre de vie!
What? Comment j'ai esquivé ça? Wow. Non. Pouvons le regarder mourir. Est-ce qu'il craint le saignement? Taste of a Booyah! L'âme du vieux roi démoniaque est à nous. Avec ça, quelques âmes supplémentaires. Ça c'est bon! C'est ce qu'on aime, bordel. Alors je crois qu'on n'avait pas tout exploré dans cette zone. Je crois qu'il nous manque 2-3 petites choses, donc il va falloir qu'on réexplore aussi. Je crois qu'il nous manque une fiole d'estus peut-être. Ce genre de petites choses qu'on va aller chercher juste après. Mais j'aime bien commencer par un petit boss. Ah, ah. Tué par des mouches. Ah, les mouches elles font mal quand même. Ah putain, ouais, ce boss c'est un peu la déception. Ouais. Prions ensemble devant ce roi démoniaque qui de toute façon était démoniaque. Il fallait, fallait abolir tout ce bordel. Voilà. Le saint Booyah l'a encore emporté contre un autre hérétique. Ouais, après on va me dire qu'il faut que j'augmente pas assez ma vie. Il faut que l'augmente un tout petit peu. Farewell, Ashen One. Et... j'avais dit qu'il fallait un petit peu explorer. À vue de nez, là, j'ai rien exploré de ces zones. On va retourner aux ruines démoniaques pour aller chercher des choses pour nos fioles. Bien le bonsoir, Laetitia. Cette emote est vraiment magnifique quand même. C'est cette emote. Pourquoi un démon devrait être méchant? Vous avez 4 heures. Cette barre de vie ridicule. Impeccable. Bon. Oh putain. Oh merde, parce que des fois elle bouge pendant un bon moment, hein, donc... Priez les saintes pierres volantes. Mon dieu, mon dieu. Voilà. Ok, donc nous avons une fiole par là. Il faut aussi éviter tout ce bordel. Voilà. On peut repasser par là.
Magie noire! La magie noire! Ok. Par là. M'en fiche, j'ai eu ce que je voulais. Tu peux me tuer, saloperie de créature. J'ai eu mon fragment d'os de mort-vivant. Juste que j'aille récupérer mes âmes, quand même. En fait, c'est un peu la merde, cet endroit, parce que t'es limite obligé de te prendre le truc qui tombe du plafond, sauf si tu le tapes avant. Et si tu te mets légèrement à côté de l'item et tout, t'arrives pas à le prendre, en fait. Donc c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est l'endroit que je... Bon, il se remet en mode j'ai pris la caméra d'assaut. Filme-moi ces grosses fesses poilues et pustuleuses, vas-y filme. Non, c'est bon, j'ai réussi à le semer le rat. Attends, tu vas voir. Merde. Hop là. Regarde-moi ce cuisseau. Ça ferait bander les morts. Raté. Et... Allez! Oh! Oh le rat qui se rebelle! Adieu petit rat! Bon, et lui apparemment on lui a pas appris à grimper, tu vois. Ah, l'anneau sacrificiel, ouais, je m'en sers pas trop de ces anneaux, c'est pas trop mon truc. Tu peux le feinter. C'est compliqué de le feinter quand t'as 50 milliards de boules de feu qui t'arrivent dessus. C'est compliqué. Merde. Ok. Donc j'ai récupéré fragments d'os de mort-vivant, j'ai récupéré ça... la fiole d'Estus... J'ai tout récupéré. J'ai juste à désactiver le piège parce que c'est sur ma route. Shiryu, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Ok. Et n'hésitez pas à rejoindre le chat. Hop. Pour discuter de tout et de rien. Non, bah finalement le piège on va le laisser... Bah non, on va pas le laisser activer, j'ai mes hommes. Putain, faut leur y retourner. Damn. Oh shit. Est-ce qu'on est chaud ou est-ce qu'on est pas chaud? Va falloir y retourner là. De nouveaux participants pour le tournoi. J'ai reçu des messages sur la play, j'ai pas eu le temps de les lire. Excusez-moi, à chaque fois... Là, c'est dernier... Depuis le début de la semaine, à chaque fois que... Oh putain, je suis mort. Bref, à chaque fois que j'allume la play, là, depuis le début de la semaine, c'est pour faire un live. Du coup, j'ai pas trop le temps de regarder les messages. Je crois qu'il y a eu peut-être 2 ou 3 nouveaux participants, je crois. Mais bon, si tout le monde vient, pour début mai, pour le tournoi, on va être nombreux, donc c'est pas mal. J'ai bouffé des crêpes également, ce soir, perso. Ravi ne sait pas faire les crêpes, mais c'est bon quand même. Allez, 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 monte. Chevalier noir, tu ne peux rien face à la puissance de la lumière divine. Elle éclaire ton armure. C'est con qu'on ait jamais eu de chevalier blanc. Ça paraît bête, mais...
Ah putain, moi j'aurais trop aimé hein, une espèce de PNJ ou de boss chevalier blanc, tu sais. Bah je sais faire des crêpes, mais le problème c'est qu'elles ont plein de bulles. Du coup ça fait plein de trous. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait chier. Moi elles sont tout le temps pleines de bulles. Voilà, je fais des pâtes à crêpes à bulles. Mais ouais, un chevalier blanc en boss, t'imagines? Une espèce de Garl Vinland, mais en armure toute blanche, ultra classe, qui protège une nana, tu sais, ça fait clin d'œil en même temps, et puis ça fait super classe. Yes! Je peux le faire, je peux le faire! Je vais crever! On se tire. Putain. J'ai vraiment très peu de vie, hein. À ce stade de la partie, c'est du suicide ce que je fais. Bon. Les crabes. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Je crois qu'il n'y a rien de particulier à faire là-bas, t'as une gemme du chaos. Parfait! Et du coup nous avons un seul éclat de titanite, c'est la misère. Putain, il me semblait qu'on en avait deux à ce stade. Non, peut-être pas alors. Ah oui, Isayoi, excellent! Excellent! Pizza, Agendas, Coca, ça c'est impeccable. Ça c'est le repas par excellence. Allez, franchement, ça vous ferait pas trop plaisir, vous, un putain de chevalier blanc. Tu sais, moi j'aurais. Franchement, c'est un peu mon rêve dans les mangas ou tu sais, dans les trucs un peu. Dans le genre Dark Souls, tu vois. Un bon gros chevalier blanc des familles, tu vois. Tu sais, le mec, je sais pas. Si j'avais été développeur chez Dark Souls, ou au moins leur souffler l'idée, ça aurait été un PNJ que tu croises la première fois, il te dit rien. La deuxième fois, tu le démontes. Puis tu le recroises une deuxième fois, hop, c'est recombat classique. Et tu le recroises une troisième fois, il est deux fois plus grand, ultra corrompu de la mort. Et là, c'est un boss. Plutôt que ce soit un truc, tu vois, ça aurait été un truc comme ça. C'est complètement décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude sur les Souls. Mais j'aurais aimé un truc comme ça, moi. Franchement, ça aurait été génial. Et t'aurais appris à la fin que le mec, il protégeait quelque chose, tu sais, une nana ou quoi, ou une petite fille, et puis... voilà. Alors... J'ai que 12 000 âmes, je crois que c'est pas suffisant pour monter en niveau. Non, c'est pas suffisant. Donc Raven Vrains, c'est bien cool. Alors vrai, Yu-Gi-Oh! Vrains, c'est excellent. Je comprends rien des règles, par contre. Mais alors, rien du tout. J'ai compris qu'en gros, il fallait invoquer des monstres. Après, t'as des monstres Link que tu mets selon un certain espacement sur le plateau. Ce qui rend l'anime complètement bidon parce que t'es tout le temps là en train de te dire « Attends, il a mis sur la flèche du haut, du bas, à gauche, à droite. Combien il a d'emplacement Link, comment ça marche ?» Enfin, tu sais, c'est un peu... Je dirais au point de vue de l'anime, ça rend les duels un peu bancals, tu comprends pas trop ce qui se passe, t'apprécies juste les retournements de situation à sa juste valeur. Mais non, franchement, Yu-Gi-Oh! Vrains, c'est bien. Ça, disons que ça me remonte un peu parce que Yu-Gi-Oh! J'ai adoré, première saga que j'ai connue, Yu-Gi-Oh! GX, j'ai pas aimé, Yu-Gi-Oh! 5D, oh mon dieu, je le place sur la même lignée que la première saga Yu-Gi-Oh, sauf que les motos sont à chier, que la saison 3 ne sert à rien, elle est remplie de fillers. Et après, il y a Yu-Gi-Oh Arc V, je crois que ça s'appelle, et Zexal. Ces deux-là, je préfère largement les oublier, j'ai même pas envie de les regarder. Et Vrains, bon dieu, ça revient dans la lignée, un peu 5D, un peu Yu-Gi-Oh première saga, franchement, ouais. Vraiment sympathique.
Bon, moi, il me faudrait des âmes. Parce que j'ai... Oh oui. Yes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut, Demus 38. Eh oui, miracle uniquement. Cela m'a été beaucoup demandé, et je crois que c'est peu dire. Donc voilà. Est-ce qu'on fait le tour d'Anor Londo? Est-ce que... Il y a une fiole d'Estus à récupérer à Anor Londo. On va y aller. Arc V, c'est génial. Zexal, c'est moyen. Alors, Zexal, attends, c'est... Parce que c'est... t'en as un avec les XYZ et l'autre avec les pendules. Faut que j'arrive à situer, en fait. Oh, Isayoui. Non, mais c'est pas grave. Après, c'est chacun a eu son petit jeu de cartes, je pense, quand il était gamin, sauf au cas plus rare. Mais en général, tu sais, c'est soit on a été vers Yu-Gi-Oh, soit vers, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y avait quand j'étais gamin aussi? Il y avait Duel Masters, je crois que ça s'appelait, qui n'a pas fait long feu d'ailleurs. Il y a Magic, qui existe toujours évidemment. Magic et Yu-Gi-Oh, c'est vraiment les deux séries de cartes qui tiennent bien la corde. Puis maintenant, remarque, c'est plus dans les jeux vidéo, c'est plus Hearthstone. Les jeux un peu comme ça. Je suis un peu old school, moi. Je préfère mes bonnes petites cartes papier. Ce bon gros plaisir que t'as de dépenser pas mal d'argent pour un pauvre booster qui, de toute façon, ne t'apportera peut-être rien du tout. Tu te dis, oh génial, je vais te voir, c'est quoi la carte rare? Oh, c'est de la merde! Ou alors, oh, je l'ai déjà. Voilà. C'est... Ah, c'était trop bien ça à l'époque. Ah, les cartes Pokémon aussi. Oh, les Pokémon, je pense que c'est moins les cartes. Enfin, personnellement, je pense que c'est plus pour le jeu, tout simplement. Parce que l'animé. L'animé Pokémon, quoi. Même quand j'étais gamin à 10 ans, je trouvais ça bidon. Tu sais, j'étais là, mais c'est naze. Il se passe rien, moi je veux des fights. Je veux pas avoir un putain de sablette contre un ratata. Waouh. Arrête de bloquer. Waouh. Merci pour les fragments. Sacha, il perd tous les duels importants, sérieux. C'est quand qu'il gagne? C'est quand la dernière fois qu'il a gagné? Monsieur Corbeck, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. On va aller au niveau du manoir Lintin et on va aller se faire un petit Yorm. Ah, direct les jeux de rôle sur table, d'accord. Ça, c'est un truc que j'ai jamais connu. Enfin, je connais, mais j'ai jamais fait. Jamais fait. Mes potes, en fait, n'y jouaient pas, et le problème, c'est que ce sont des jeux, généralement, tu sais, t'en as pour une après-midi entière, donc... jouer avec des gens pas motivés, c'est moyen. Et toi qui découvres, il te faut forcément des gens experts, on va dire, en la matière, pour te montrer un peu tout ce que tu peux faire. Je lis le chat, je me prends des charges de feu dans la gueule. Beyblade. Salut Senerov, bah pas de soucis, apprécie sur portable le live. Et je lis le chat là, je vois, arrêtez de vous moquer de mon caramel. C'est pas bien. C'est méchant. J'avais mis toute mon âme dans ce caramel. Ah putain, toute mon âme sombre. Salut.
Voilà, je lui ai fait goûter mon caramel, t'as vu la gueule qu'il a? Continuons. Par là. Aïe. Ah putain, ça lui a rien fait. C'est la partie que j'aime pas ici, c'est vachement stressant en fait. Tac. Oh putain, il y a un truc là aussi. Vraiment que j'augmente ma défense physique. Hein. Bon, s'ils viennent... Attends, on va attendre voir s'ils viennent ou pas par là. Ah. Salut Luffy. Hop. Au programme de ce soir, on continue la run. Miracle uniquement. Et pour le début du jeu, en fait, vu que j'avais pas de miracle offensif, j'ai dû vaincre Vort et Gundyr uniquement en tapant avec ma petite cloche. En faisant des petits coups comme ça, de merde. Aïe! Je récupère vite mon fragment parce que. Et pas que je meurs maintenant. Par là. Allez, allez, allez! Ouais. Je ne l'ai pas réveillé. Ça, c'est très très bien. On va utiliser ça au cas où. Baigné dans la lumière du Boya. Oh putain. Voilà. Oh putain. Voilà maintenant les Uber rats. Allez, allez, allez. Oh, les enfoirés. Le APV. Oh putain, le 1 PV était beau là. Oh putain, il était beau celui-là. Et j'ai aucune endurance. Allez, j'ai plus de vie. Ah putain. Vas-y, encore plus lentement, mec. Voilà, c'est bon. Oh putain! C'est pas passé loin! PogChamp! Bon! Génial! RATV! Rejoignez RATV! Ah, salut Light Knight! Ah, c'est vrai qu'il y a Sunlight Blade ici! Non, pardon, Lightning Blade! Il est toujours là, ce putain de rat de merde. Non. Aïe. Et donc là, j'ai pas encore l'emote pour pouvoir aller plus loin. C'est quoi? Parce qu'il me la faudrait, l'emote. Bon, allez, hein. Quand faut y aller.
Porte tes couilles, Leonard. Ma barre de vie. Mes points de vie. Oh, ça va. Ça va, ça va. J'ai connu bien pire. Je n'ai plus qu'à passer le dernier mob. Tiens, y a pas un truc là? Attends, je vais regarder ce que... Je me souviens plus, je crois que c'est des braises. Ah non. Ça, ça fait un peu penser à Dark Souls 2 quand même. La fissure, là, la lumière et tout, franchement. C'est pas Dark Souls 2 like. Yes! Quel est le boss de Dark Souls 3 que tu trouves le plus dur? Je serais tenté de dire Midir, mais honnêtement, je dirais Frid. C'est le boss qui me fait tout le temps chier en fait. En soi, le boss, il se fait. Ce qui est horriblement hardcore, c'est de se faire les deux phases d'avant et ensuite de se faire la phase 3 et la phase 3. Elle te défonce la gueule. c'est limite dégueulasse en fait. Alors attends, pieu de foudre, je pense pas que ce sera très utile pour le combat contre Yorm. Donc on va changer un petit peu de truc. Par contre la nuit de vorace de Doris, j'aimerais bien tester. On va faire ça. Reprendre la lance de foudre. J'ai mes deux anneaux, j'ai ça. Ouais, on va être pas mal. Allez, go. On va voir ce que ça donne. Alors, Arsenal Forever, facile la Renault Miracle, mais le début était le plus horrible début que j'ai jamais fait dans mes runs challenge. Vaincre Vort uniquement à coup de cloche qui fait 10 de dégâts, vraiment, je le recommande pas, quoi. Yorm doit saigner, ouais, je pense. Et j'ai peur qu'en fait ça te consomme trop. À voir. C'est quoi qu'on puisse pas leur piquer leur. Leur équipement à eux? Une petite cape blanche là. Je sais pas pourquoi on peut pas l'avoir. Ça aurait été trop bien. Bon. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est faisable de le faire, Yorm uniquement? Avec des miracles? On réalisé un miracle. Bon. Ah oui. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il fait ça? Bon. Ok. Putain. Il va être énervant. Ah, il faut que je sois plus collé en fait. Ghost Reaper, rejoins le culte du Booyah. Merci à toi Ghost Reaper. Et tu es le troisième sub depuis le début du live, alors que ça a commencé depuis un peu plus d'une demi-heure. Merci énormément à vous de rejoindre le culte du Booyah.
On va essayer la nuée vorace de Doris pour voir. Je veux voir. Tu mets trop de temps. Tu mets trop de temps à lancer le sort en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Match. Salut Elliot. Et allez, allez. Ah, putain, sérieux ? Yes ! Putain ! Je l'ai fait trois fois, mais ça a pas voulu. Peut-être que t'es pas censé spammer. Bon, par contre, je vais manquer de fioles, en fait. Oh, sérieux.
Putain, il va me manquer de rien, quoi. Chier. Voilà, c'est le dernier. Ah, on va le finir à la cloche. Évidemment. La cloche ne lui inflige aucun dégât. Encore. Chier. Ah si. Autant pour moi, 16 de dégâts. Largement suffisant. Bon bah allez, y a plus qu'à le finir à la main. Allez, la cloche. Rends-moi fier, petite cloche. On est là pour faire des miracles. Mais énerve quand même. Putain, à chaque fois, hein, Yorm. À chaque fois, on est à ça de le tuer. Putain! En plus, le placement est à chier. Je dois être. Mais. Ah là, je dois être collé, mais d'une force. Incroyable. Voilà. Le véritable combat commence maintenant. Merde. Comment j'ai fait pour atterrir? Bon, tu fais 42 de dégâts si tu tapes sa main à ce moment-là. En fait, ça vaut le coup. Ok. Très très chiant. La notion de portée. Aïe. Oh putain. Oh. Seulement j'avais pu lui mettre un autre arc dans la gueule. Ok. Putain, reste encore tellement de vie.
taste! Booyah! C'est un miracle. Ah, attends, remarque, j'ai un meilleur endroit pour ça. Riez avec moi. Alors, c'est pas beau? Putain. Je sais pas, la run pyromancie, il est mort assez vite aussi. Enfin, à la fin, on en a un peu chié, mais... Putain. N'empêche, hey, 3 nouveaux subs depuis le début du live. Merci énormément à vous de vous être abonné à la chaîne Raven. Ça me fait super plaisir, hein. Vraiment, merci beaucoup. Donc voilà, je vous dédie à tous cette victoire. Isayoi, Arito et Ghost Reaper, je vous dédie cette victoire contre Yorm, le géant. Retournons à les cheveux maintenant. On dirait qu'il se met le doigt dans le nez. Mais au début, j'avais peur, je tapais avec la cloche, il n'y a aucun dégât, je me dis, attends, mais c'est quoi ce bordel? Mais en fait, faut vraiment être collé, genre là. T'as une portée de merde. Mais vraiment, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon gros? Ah oui, alors attends. Ah, je peux gagner un emplacement de sort si je veux. Ouais. Hein? J'augmenterai ma vie, hein, vous inquiétez pas. Elle augmentera encore un peu ma vie. Renforcé. Bien. Ouais, 6 et 7, hein. Non, je vais encore rager. Hop. Donc nous sommes en plus 8. Et nous avons 13 fioles. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, maintenant. Il nous reste qui? Oh putain. Aldrich. Aldrich. Bon. Non, non. Je suis l'enfoiré. Ah merde, j'ai pas changé mon sort. Oups. Merde. Tout ça parce que j'ai oublié de changer de sort. J'ai juste oublié de changer de sort. Veuillez me laisser revenir à mon feu de camp, s'il vous plaît. Évidemment qu'ils veulent pas. Alors du coup on va se mettre ça, pieu de foudre. On peut se mettre la lance. Voilà. Je sais pas ce qu'il craint Aldrich, hein. Je sais qu'il craint le feu, mais la foudre, j'en sais rien du tout. Donc nous allons voir si il a une certaine affinité ou pas.
Salut Algonzo. Oh putain, j'ai le chat, je me prends des boules de feu. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher. D'accord, mes réflexes sont plus qu'ils étaient. Un très mauvais Aldrich. Taste the Booyah! Donc apparemment, il n'aime pas trop la foudre. J'ai encore réussi sur le fil du rasoir, quoi. J'ai réussi ça, voilà, de justesse. Aldrich, le dévoreur, il a dévoré tellement d'entre nous, tellement de croyants. Au final, nous l'avons renvoyé se terrer. Là d'où il vient, dans la profondeur des abysses de l'enfer, des ténèbres éternelles. Rien ne peut arrêter le culte du Booyah. Ça n'a jamais aussi bien porté son nom que dans cette run, quoi. Rien. C'est la seule fois où les miracles frappent plus fort que la sorcellerie. Oh putain. Oh shit. Ah, je l'avais pas tué elle. Bon. Tu m'excuseras, hein, mais j'ai autre chose à foutre que de rester là, donc si tu permets, je me tire. Raté. Raté. J'ai l'impression que c'était hier quand on a arpenté cette zone avec uniquement notre cloche de merde. Aïe aïe. Alors Aldrich a bien dévoré Nito, on n'en sait rien, ce ne sont que des spéculations. Il y a une espèce de... On voit bien qu'il y a une espèce de cadavre squelettique derrière. On suppose qu'il a bouffé Nito. Mais après, est-ce qu'il les a vraiment... Enfin, est-ce qu'il l'a vraiment bouffé? On peut pas vraiment le savoir. Dommage, moi je trouve Aldrich et ce monstre qui est complètement fou. Je veux dire, imaginons, quand bien même il aurait défoncé Nito, il aurait aussi défoncé Gwendoline. Enfin, c'est quand même un monstre de fou. Et au final, tu tapes un pseudo Aldrich, Gwendoline, je sais pas. C'est encore un de ces boss un peu où tu te dis, ah, c'est dommage, ça aurait peut-être... Enfin, ça aurait pu être autrement. Un peu comme Oseros, quoi. Oseros, on s'attendait tous à ce guerrier de fou, buffé, avec 3 doses de testostérone. Et au fin de compte, tu tombes sur ça, tu fais, bon, dommage.
D'habitude, je la tue beaucoup plus vite, en fait. D'habitude, je sais pas. Mais bon, je pense que, ouais, c'est... Aldrich, c'est littéralement Majin Buu. Ouais, mais c'est ça comme name. C'est exactement ça. Après, c'est vrai que tout à l'heure, on me posait la question du le boss le plus dur sur Dark Souls 3. J'ai pensé à Frid. Il y a aussi Gaël qui est pas mal. Mais Gaël, d'une manière générale, si t'as une bonne arme, si t'as. Voilà, il est. Il se fait. Je trouve qu'il se fait. Alors que Frid. Tellement casse-bonbon. Elle te tue tellement vite. En NG, je veux dire, elle te one-shot super vite. Vous voyez bien que mes Runa Challenge, je monte très souvent, bon pas là pour le coup, je monte très souvent à plus de 40 en vitalité. Et malgré tout, Frid phase 3, elle me tue en 3 coups. Et vu qu'elle fait que des combos sur combos, c'est la merde. Lord, it must be. Tu ne croyais plus en la lumière du Booyah. J'ai dû mettre un terme à ton existence. Ça me fait gagner des âmes, alors tant qu'à faire. Également, bonsoir, Greg. La danseuse, je trouve que ça, c'était un boss réussi. Dans la bêta, quand on avait. Enfin, le stress test, ce qu'ils appelaient, quand on l'affrontait, franchement, on se disait, waouh, ça, c'est un boss qui est cool. Ça, c'est un boss vraiment sympathique, avec un moveset unique, tu sais, qui est bien relou, mais pas trop. Avec un pattern vraiment évolutif. Enfin, je sais pas, c'est un boss pour moi, ça, c'est un boss réussi, ouais, carrément. Pas baisser ma garde. Taste the Booyah! Bon, c'était pas si inutile que ça de monter la foi. La danseuse a voulu nous distraire de la douce voix du Booyah. Nous avons réussi à repousser l'appel de cette sirène. Et maintenant, nous pouvons continuer notre croisade. Prions le Booyah. Oh, bordel. Des armes pourries dans un DLC. La dague dans Ridget City. J'ai jamais vu quelqu'un me spammer avec. On va monter à 25 et là 42. Faut quand même pas oublier la foi. Voilà, lance de lumière solaire. Dois-je vous rappeler qu'on l'a à la fin du jeu? C'est le boss final, quoi, littéralement. C'est pour ça d'ailleurs que j'hésite à faire l'âme des cendres avant les DLC, histoire d'avoir la lance de foudre solaire et pouvoir l'utiliser. Je sais pas encore.
Mon endurance, bon, j'en ai pas tant besoin que ça. Ouais, on avait fait une run, je sais plus laquelle c'était, on n'avait jamais augmenté notre endurance. Hein. Je sais pas laquelle c'était de run. C'était la pyromancie peut-être, hein. Non? C'était pas la pyromancie? Je crois. On n'avait pas du tout augmenté notre endurance. Je sais plus, il y avait une run chez elle, on était à 9 ou à 10 tout le long. Le temps d'une pause et un boss dégage. Et oui, Castor Gourmand, pas le temps de cligner des yeux.